Salut tout le monde, c'est Rémi Storm. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des impacts de la sécheresse de cet été 2020. Donc vous voyez ici des sols et de l'herbe extrêmement desséchés. Il reste quand même un petit peu de vert, donc cette sécheresse a fait pas mal de dommages. Par exemple ici, vous voyez la sapinette, elle a séché. Là aussi de grosses crevasses. On peut quasiment y passer la main, vous voyez. Hop. Donc c'est vraiment une sécheresse assez coriace, mais on reste loin des intensités des grosses sécheresses type 1976, 2003, 1975, 74 ou 1921 et plein d'autres encore. Mais c'est une sécheresse de forte intensité tout de même. Vous voyez, l'herbe est bien cramée. On a aussi un impact sur les arbres qui, vous voyez, qui manquent d'eau, donc ils jaunissent. Vous voyez, hop. J'ai à peine tiré sur la feuille et c'est détaché, regardez. Ils sont extrêmement fragiles, on a juste à toucher la feuille et elle peut se décrocher. Elle est beaucoup moins dure. Donc là vous voyez, ça a vraiment soif partout. Les arbres ils jaunissent, on va aussi passer aux crevasses. Regardez la taille des crevasses ici par exemple. Vous voyez, là je peux largement passer ma main. Au moins 40 cm de profondeur, facilement. Donc voici les impacts de la sécheresse sur l'Ariège. C'était une petite vidéo pour vous montrer ses conséquences en 2020. Donc voilà, c'était tout. C'était Rémi Storm. Ciao.